Wesh l'équipe, c'était NR, je vous retrouve une vidéo sur GTA 5, comme d'hab, de glitch. Simplement, pour avoir une petite tenue modée sur le personnage masculin. Donc pour ceci, il faudra avoir, je précise avant, sur le vous rendez avec votre personnage masculin et vous prenez la tenue de bronzage, vous enlevez les lunettes de la tenue de bronzage et vous prenez un maillot de course, n'importe lequel. Et il vous faudra les masques de crème piscine. Du coup, il y a des vidéos qui sont faites par rapport à ce masque ou ces masques. Donc pour ceci, il faudra se rendre dans un magasin de vêtements, pas forcément le mien. Donc il vous faudra prendre le pantalon de sport comme moi. Donc vous allez dans pantalon de sport et vous prenez le premier. Ensuite de ça, vous allez aller dans les bikinis. Et vous prenez le premier comme moi sur la vidéo pour vous enlever le t-shirt. Ensuite, vous allez aller dans les blousons tactiques. Les blousons tactiques, vous allez prendre le dernier. Donc, je précise bien. Je crois que j'ai pas pris bikini. Voilà, bikini le premier. Et ensuite, vous allez aller dans les blousons tactiques. Vous prenez le dernier. Vous rentrez dans les chaussures, vous allez aller dans les... Attendez, on va se rendre dans les chaussures. Sont les chaussures sont là-bas. Vous allez prendre dans bottes, vous allez prendre les... Soit les noires usées ouvertes. Voilà, je les prends. Ensuite, vous allez aller dans les gants. Dans les gants, comme moi. Vous allez prendre le quatrième, clair forestier. Tactique clair forestier, vous allez prendre. Aussi, pour les chaussures, il y a pas mal de chaussures qui marchent, mais pour ceux-là qui volent comme moi, voilà. Ensuite, si vous voulez la casquette paramédic, moi je vais la faire. Si vous la voulez, vous prenez ce dernier casque et vous superposez le casque sur votre masque de crème piscine. Moi pour ma part, je ne vais pas le faire. Ça, je précise bien, bien sûr. Il faudra aussi mettre l'emblème de crew à l'arrière. C'est important ça. Il faudra un crew. C'est super important. Et voilà la tenue, vous l'avez composée. Ensuite, vous rendez au petit course de la montre. Et on y va. Donc comme d'habitude, le course contre la montre. Ensuite, vous allez lancer le course contre la montre, changer de personnage, personnage masculin. Bonjour. Je vous montre bien la manipulation pour qu'on la fasse quand même, pour bien que vous montrer que c'est pas du fait quoi que je la fais devant vous.
aussi, j'ai oublié de préciser, tiens, mais si vous voulez que je fasse une série sur Call of Duty du mode campagne, disez-le moi en commentaire, j'ai oublié de préciser, mais c'est important. Parce qu'il y a des gens qui me disent que je fais trop de glitch, bah je vous propose une série sur Call of Duty. Donc voilà. J'ai oublié de préciser, mais je vous le dis quand même. Là, je me rends tranquillement à la course contre la montre. Donc là, ensuite que vous êtes arrivé, vous la lancez, tac, vous allez en ligne, changer de personnage. Donc moi, je vais vous montrer que je prends bien mon personnage masculin, après je vais vous couper. Pour ça qu'on a vu mon ancienne vidéo sur les tenues modées. Bah, vous savez comment faut faire. Hein. Enfin, non, j'ai rien dit en fait. Je viens de me tromper, pardon. Donc là, vous prenez votre personnage, comme moi dans la vidéo, masculin. Voilà. Donc moi, on voit bien que j'ai pris la tenue de bronzage, que j'ai enlevé les lunettes et que j'ai pris un maillot de course, comme j'ai dit au début de la vidéo. Et donc, je vous reprends quand je suis dans une session. Apparaître dans la session. Et voilà la tenue modée. Donc avec des insignes, chaussures de trône. Donc plutôt c'est stylé. Voilà. Donc c'est une tenue paramédique. Avec un petit haut transparent bizarre. Voilà. Dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous garde bien pour bien vous montrer. Et voilà. Donc là, je sais pas si on peut rajouter un gilet pare-balles. On peut pas. Vous pouvez essayer de rajouter des petits trucs, par exemple un petit masque. Et on peut rajouter un petit masque. Je sais pas si on peut rajouter des petits, une petite chaîne par exemple. Et on peut rajouter une petite chaîne. Hein. Je rajoute une belle petite écharpe. Voilà. Vous pouvez mettre, je pense, des gants. Je sais pas du tout si on peut mettre des gants. Ça, par contre, j'en ai aucune idée. Vous pouvez mettre des gants aussi. Donc, moi, je vais mettre les gants bleus. Ça, de chirurgien. Et on va mettre un petit masque bien stylé. Voilà. Celui-là, tiens. Et voilà. Ceux-là qui veulent cette tenue, vous avez un petit peu tout. Donc après, je précise, votre tenue, quand on l'a faite, le glitch, c'est-à-dire qu'il y a un petit risque qu'elle disparaît tout simplement de vos favoris. Dans ces cas-là, vous refaites la tenue. De toute façon, vous avez les vêtements. Vous avez juste à refaire à la course contre la montre et refaire. Et normalement, après, elle va pas disparaître. Donc voilà, c'était TNR et ciao!